Le skatepark grenier, mesdames et messieurs, je sais que vous l'adorez et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va y retourner, on va construire un module, je vous montre ça, c'est parti. Alors la dernière fois on avait construit ce module, la mini table à manuel, mais le problème c'est que en fait dans ce skatepark grenier on n'avait pas assez d'élan pour s'en servir, du coup la table à manuel était inutilisable malheureusement, en tout cas dans ce skatepark grenier. Du coup l'idée que j'ai eue c'est de construire un sorte de petit pour pouvoir descendre et avoir un minimum d'élan pour pouvoir emprunter cette table à manuel sans pousser auparavant. Donc ça c'est l'objectif du jour. Je pense qu'on va le mettre ici même, on va le mettre là tac tac tac, et puis juste là-bas on mettra la table et puis comme ça on pourra potentiellement un petit peu s'en servir. Je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je construis ça, mais je vais essayer de faire de mon mieux, je vais vous montrer un petit peu le matériel qu'on va utiliser. Bon déjà dans un premier temps j'ai installé ça, simplement pour faire une table de travail. Tout le matériel qu'on va utiliser, donc on a une petite perceuse, un petit machin, des vis. Alors c'est des vis à placo, c'est pour visser dans, pas du placo mais c'est pas grave. Une scie sauteuse, une rallonge, des trucs, des bouts de bois. Le plus important ça va être ça. Donc cette grosse plaque ça va servir pour les côtés, donc elle est relativement carrée donc c'est cool. On va la couper de moitié et après on fera la courbe dedans. Alors je vais faire une courbe relativement un peu droite, pas trop courbue, parce qu'en fait j'utilise ça et j'ai peur que ça craque. Et ça du coup la grande plaque derrière ça servira simplement pour mettre, ce sera là où on va rouler en fait. Après ici on est en position de deux grosses poutres comme ça qui font à peu près 2 mètres de haut, ce sera pour l'armature. Et enfin on a une multitude de bouts de bois comme ça qui serviront tout simplement pour fixer la partie où on va rouler sur l'ossature du module. Que serait une construction sans un plan, mesdames et messieurs? Je vais vous montrer, j'ai fait un plan. Alors vous allez voir, franchement vous allez halluciner. Regardez-moi ça. C'est incroyable ou pas? Il faut savoir que dans ma carrière d'ingénieur, j'ai beaucoup collaboré avec la NASA et SpaceX, notamment pour construire des fusées. Je sais pas trop comment je vais tracer ma courbe, c'est ça le pire. Le talent en est de l'improvisation. Bon, je pense que la première étape, ça va être de tracer et de couper cette planche en fait. Donc, ça, c'est, je rappelle, c'est les côtés de la courbe. On va d'abord faire le tracé, après je coupe, après je trace la courbe, après je coupe et après on verra. Là normalement cette partie fait 1m40, c'est genre 1m45, il faut que je coupe à 1m40 pour égaliser. Et ça me fera du coup deux parties de 70 cm. Enfin, je change de client parce que ça c'est de la merde en fait, la mine c'est déjà décollée. Et la question que je me pose c'est, est-ce qu'avec ma scie sauteuse je vais pouvoir couper une aussi petite partie? Parce qu'en fait j'ai que ça à couper et je sais pas si du coup c'est possible ou s'il faut couper genre plus gros, avoir une plus grosse marge de chaque côté. Parce que là j'ai genre ça, j'ai quoi, j'ai 2 cm. Et là c'est encore pire, j'ai à peine 1 cm. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je vais essayer de poser ça sur ma table de travail et de couper. Vous voyez, j'ai vraiment rien à couper. La scie va pas pouvoir s'appuyer de ce côté. Je sais pas si ça va marcher. C'est comme je suis pas un bricoleur pour un clou frère. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de faire un beau module. Je vais faire mon tracé parce que là avec le crayon de papier je vois rien du tout. C'est pas si mal que ça. Maintenant je m'attaque à l'autre partie qui est encore plus petite que ça. Allez c'est quand même bien, de loin c'est bien. Pour que ça dure dans le temps, faudrait que je le ponce ici pour pas que ça s'effrite. C'est de le poncer vite fait avec un bout de grip de skate. Messieurs, dames, la transition est toute faite pendant que je ponce ce petit bout de bois avec un grip de skate. Je vous invite à aller dans la description si vous voulez vous munir d'un grip OXSB que vous pouvez trouver sur la boutique. Étape suivante, c'est couper la planche. Donc elle fait 120 de large, donc je vais la couper à 60. Ça, j'aurai deux parties comme ça. Et je pourrais faire ma courbe de là jusqu'à la moitié en gros de la planche. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas. Il y a vraiment 200 000 découpes à faire pour avoir un truc à peu près bien. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre ça pour le couper, parce que du coup quand ça va couper ça va plier au milieu. Mais là je sais pas trop comment m'y prendre donc je vais faire comme ça. Putain c'est dommage, j'ai bien géré la découpe, il y a juste au milieu où j'ai fait une vague et c'est trop chiant. Genre ça a vraiment été géré sauf ici là. Là il y a un truc à la con, un petit décroché, mais après le reste c'est vraiment pas mal hein. Bon je vais passer un petit coup de grip dessus. Selon mon plan, on a un petit truc ici qui fait 30 cm. À partir de ce point jusqu'au coin de la planche, il faut faire une courbe. Donc déjà je vais tracer les 30 cm. Je suis en train de me dire au pire je fais pas une courbe hein, je fais un truc plat. De toute façon le contreplaqué que j'ai là-bas, j'ai peur qu'il craque parce qu'il est vraiment vieux et tout. Tout ce que j'ai là c'est de la récup, hein, je précise. Je vais faire un truc droit, ce sera pas courbé, tant pis. Hein. Là je suis en train de me dire que si je fais un truc droit, là en gros globalement ici c'est le truc où on est debout, et après t'as la courbe qui va comme ça jusqu'au coin. Mais si je fais une courbe droite, donc juste une pente, je me dis qu'ici vaut mieux que je mette au lieu de 30, 40. Ça, si je mets 40, ça veut dire que ma courbe est encore plus raide. Donc là, globalement, ça fera que ma courbe sera raide comme ça. En vrai, je me dis que c'est cool, hein. Il faut quand même avoir un truc relativement raide pour pouvoir avoir un maximum d'élan juste en un drop en fait. Donc ça globalement la partie intérieure c'est ce que je garde, ça c'est ce qui dégage le petit triangle là. Donc ma courbe elle est comme ça, tac, et ça c'est le triangle droit où on pourra marcher dessus. Ça
un peu une sorte d'échec parce qu'en fait c'est pas bien bien raide. Après le truc c'est qu'il faut savoir que c'est quand même assez large. Enfin la courbe est peut-être pas assez raide, mais pour juste avoir un peu d'élan pour monter sur mon truc c'est cool. Bon ben on continue hein. Je vais poncer ça, je vais faire pareil sur la deuxième plaque et on se retrouve juste après. Je viens de couper et de poncer les deux parties. Elles ont quelques différences parce que là par exemple tu vois c'est courbé, c'est pas bien droit et tout. Ça c'est la deuxième que je viens de faire et en vrai la pente est pas mal du tout. Plus ça va, plus je commence à gérer la machine donc je suis content. Maintenant on va devoir trouver du coup l'écartement qui est entre les deux. Ça dépend juste de cette plaque en fait. Cette hauteur correspondra à la largeur de mon truc. La longueur de ça sera la longueur de la plaque. Donc là dans un premier temps je vais regarder combien est-ce que j'ai le droit. Pas jusqu'à 105. Je pense que je vais faire 1 mètre de large. Donc voilà, déjà je vais couper un carré bien propre. Donc là dans un premier temps j'ai viré toute la partie, ce truc là qui était vraiment moche. Maintenant il faut que je coupe au droit. Donc pour ce faire, comment je vais faire, c'est très simple, je vais utiliser une équerre. Déjà il faut que je mesure toute cette partie, savoir combien de millions de kilomètres je dois garder ici. À vue d'œil, moi comme je suis un expert comptable, je dirais qu'il y a 70 cm. Ok. Il y a 116 cm. Ça me fait 116 cm, ça fait que le truc fait 1 mètre comme ça pile poil sur 116 comme ça. Ça commence plus ou moins à ressembler à quelque chose, ça va faire à peu près cette dimension là. Donc maintenant l'option ça va être de couper les grosses poutres pour pouvoir les fixer un peu partout. Donc les grosses poutres c'est ça, et globalement je pense que je vais en mettre une ici, une à peu près au milieu, une là, et à mon avis ce serait déjà assez solide. Hein. Merci à mon père qui a eu la bonté divine de me passer tout ce matériel parce que sinon bah, j'aurais jamais pu faire tout ça en fait. Moi j'ai rien. Hein. Donc là il faut que je coupe ça à 1 mètre pour pouvoir avoir finalement la distance qu'il me faut. Normalement elles font 2 mètres donc si j'en coupe 2 ça m'en fait 4 parties de 1 mètre donc normalement tout est bon parce qu'il m'en faut 4 donc c'est trop cool. Quelle précision chirurgicale, le trait était là. Bon, du coup ce que je vais faire, je vais changer de plan, je vais les couper plus petites. Ok, on a donc les 4 morceaux comme ça qui vont servir du coup de poutre. Du coup on retourne dans le skatepark grenier, je vais directement le monter en haut parce que je vous rappelle la seule entrée pour le skatepark grenier c'est cette petite échelle, regardez, juste ici. Donc forcément il n'y a que ça d'épaisseur et là bah, ça fait pas un mètre. Je vais monter tout le matériel et puis on va construire le module ici même. Ok, j'ai monté tout le matériel. Bon, je suis désolé, du coup la luminosité ici sera pas super bonne parce que on est dans le grenier, hein, forcément il y a un toit donc le soleil ne vient pas. Du coup j'ai ramené quoi? J'ai ramené les deux parties sur les côtés, j'ai ramené les poutres. Donc ça en fait c'est les mini poutres, c'est pas les grosses poutres, regardez il y a une différence, donc plus petite. Et ça en fait je pense que je vais m'en servir pour consolider ces grosses poutres justement pour que ça tienne un peu mieux. J'ai ramené là-bas juste ici, donc là je pense qu'on va directement commencer à construire l'ossature. Donc en fait on va mettre ces deux trucs de chaque côté. Du coup là ma stratégie ce serait de poser directement une poutre au sol, comme ça, de mettre de ce côté un truc, comme ça on pourra le fixer en bas, de mettre de l'autre côté l'autre truc, comme ça on pourra le fixer. Après on met une poutre en haut, on vise tout. Franchement je suis content mec, ça commence à avoir de la gueule. Pour l'instant ça, c'est pas monté, ça se trouve ça va être à chier, ça se trouve ça va craquer dès que je vais monter dessus. Après c'est ça qui est marrant, vu que je sais pas bricoler, j'aime trop faire des petits trucs. Genre quand j'avais construit un skate c'était ridicule mais c'était marrant. Quand j'avais construit ce module, cette table elle est vraiment cool en vrai. Je fais de mon mieux et comme ça au moins je montre à tout le monde que si vous voulez le faire avec de la récup, c'est possible même pour le dernier des manches à balai. Bon on est parti, on va visser ça, je rappelle c'est des vis à placo. Au pire je pourrais trouver d'autres poutres et je pourrais vraiment mettre partout pour être sûr que ça soit solide parce que je suis pas trop rassuré. On va déjà visser ça. Alors attention mesdames et messieurs. Bon, comment je visse ça? J'arrive à faire tenir ce truc. Vous connaissez la méthode de la double poutre, consiste à mettre une poutre ici et une poutre de l'autre côté pour tenir le truc qu'on veut visser. Ah c'est cadeau, ici on partage des techniques, on partage des astuces de bricoleur. Jamais vous êtes des bricolos vous aussi. Des bricolos putain. Bon attendez, on a un problème avec l'embout, ça commence mal. Putain. Ok bon, c'était la mauvaise vis. Attendez. Ça veut dire que ça c'est une vis sur les 158 que je vais mettre. Là, on est dans la merde, hein. Que les vis visent mal ou alors je suis une brêle en bricolage. Je pense que c'est les vis, hein. Ça peut pas être moi, moi je suis beaucoup trop fort. Allez, je vais mettre ça pour le soutenir en attendant. Putain, rien ne se passe comme prévu. Je pensais pas que ça allait être la partie la plus galère, on va pas se mentir. Je sens qu'on va bien galérer. Ok, je pense que c'est clairement un problème de tête de vis parce qu'il y en a qui s'enfoncent très très facilement, d'autres un peu moins. Donc là, j'ai réussi du coup à visser ce premier poteau, cette première poutre. Ben, c'est une technique en mettant ce truc là en équilibre sur le mur. Enfin, c'est un peu à l'arrache, mais ça marche. On va mettre la deuxième tout de suite. Il faut en fait que je surveille bien les vis parce que selon les vis, il y en a qui se vissent mieux que d'autres. Deuxième poutre fixée, c'est formidable ce qui se passe, c'est incroyable. Donc là, je vais prendre la troisième et on va tout simplement la mettre pour consolider un peu l'ensemble de la bête. En plus, grâce à ça, vu que ça tient, vu que tout se maintient dans l'ensemble, c'est plutôt facile entre guillemets de visser maintenant. Il n'y a plus qu'à retourner à chaque fois dans un sens puis dans l'autre. Là la poutre était mal coupée donc en fait c'est pas bien droit, mais je répète, tout ça c'est de la récup. Même les vis je crois que c'est de la récup pour certaines, donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu faussées. C'est pour ça que ce sera pas parfait, mais ce sera parfait pour moi. Bon ça commence à prendre forme hein. J'ai vissé du coup ce côté là, ce côté là. Je vais retourner le module, je vais pouvoir visser du coup en bas et celui là qui sont pas fixés. Après on mettra tous les petits bouts de machin comme ça. Je pense qu'on sera pas mal du tout mec hein. Ça commence à avoir de la gueule. Du coup là l'objectif de maintenant c'est quoi? C'est de prendre les mini poutres et de consolider. Je pense que je vais mettre une poutre en haut et une poutre en bas pour pas trop que ça balance quoi. On va mesurer comment ça mesure. On va déjà commencer par rebaisser ça. Il est énorme. Je vais tester un peu la solidité vite fait.
je pense que c'est solide, mais je vais quand même rajouter des trucs au cas où quoi. Parce qu'en fait, le truc c'est que ça veut dire que ça tient juste avec des vis. Et des fois, les vis elles sont pas beaucoup enfoncées dans le bois. Donc dans le doute, je vais quand même mettre une petite poutre ou deux, ou peut-être même trois, on verra. Mais globalement, putain, il est cool. Hein. Bon, il est un peu bancal. Et ça, c'est pas très grave. Je viens de couper mes deux morceaux. Normalement, si j'ai bien géré, ça devrait rentrer. En fait à la base je voulais visser comme ça mais mes vis les plus grandes elles arrivent là. Du coup je pense que je vais peut-être visser sur le côté directement par là. Pour celui-là du coup bah celui-là il bouge pas. Ça par contre ça bouge. Lui par contre il est pas bien mis. Donc je pense que je vais faire c'est que j'ai trouvé ça. Peut-être qu'avec un peu de chance je pourrais le caler là tu vois pour faire en sorte que ça tienne bien. Comme ça va bien et après faut taper quoi. Globalement grâce à ces trucs ça tient. J'avais essayé d'aller chercher un marteau mais j'ai trouvé un bout de bois. En vrai, ça force tellement qu'il n'y a même pas besoin de le visser. Hein. Ça tient et ça soutient du coup ça. Moi, ce qui me faisait peur, c'est que là, le fait que ce soit vissé juste par ça, j'avais peur que c'est le truc qui tombe. Mais maintenant qu'il est fixé par ça. Et puis, à mon avis, ça bougera pas. Là, je peux monter dessus. Là, je pense que maintenant, je risque plus ma vie. Bah, tu vois, là, c'est solide. Hein. Dans le doute, je vais en mettre quand même 2, 3, 4 vis. Pour être vraiment sûr que ça tienne bien. Là, j'ai mis un peu de vis. Je peux t'assurer que le truc, s'il tient pas, c'est qu'il est de mauvaise foi. Hein. Bon, je viens de mesurer et la largeur qu'il y a entre là à là, c'est 98 partout. En fait, donc de tout en haut à tout en bas, c'est 98. Voilà, il y a un peu de marge. Donc, au vrai, je pourrais magouiller. J'ai 115. Donc, si j'en mets un tous les 10 cm, j'en fais 15. Centimètres, c'est ça. Ça me paraît raisonnable. C'est pas très grand. Là, on est parti. On va commencer à essayer de les fixer. Oh, mec, ça a l'air trop bien. Franchement, ça va être trop bien. Je sais pas trop pourquoi mais la plupart de mes bouts de bois que j'ai coupés ils sont trop petits maintenant. Ça fait un peu comme ici. Là j'ai fait ça mais je pense que je vais le remplacer celui-là. Ça a l'air de quand même bien tenir. Je pense qu'il y aura pas trop de... Bon il y a que lui qu'il faut changer hein. Mais je pense qu'il y aura pas trop de marge donc je pourrais pas casser avec les roues. Enfin à mon avis ça va être solide quoi. J'ai ramené pas mal de petits bouts de bois. Pour l'instant ça ressemble à ça. Ça c'est fait mesdames et messieurs, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là j'ai mis des petites cales en fait parce que du coup il y avait des morceaux qui étaient trop petits. Globalement je vais essayer de mettre du coup mes petits bouts de bois. Putain, c'est encore pas la bonne taille. Comme ça, je pourrais marcher ici sans aucun problème. Et après, on pourra enfin mettre la plaque. Bon, j'ai pas prévu d'emplacement pour le coping, ça serait un truc tout plat. Mais peut-être qu'à la rigueur, je pourrais mettre une petite corniche comme on avait fait ici même là. Mais déjà, on va juste faire un truc en bois, il y aura pas de coping parce que bah, j'ai pas de barre en ferraille. Ici, j'ai un autre morceau de contreplaqué qu'il faudrait juste recouper. Bon, il va pas jusqu'au bout ici, mais c'est pas très grave. En vrai, faut vraiment marcher comme ça pour ne pas toucher ni la poutre devant ni la poutre derrière, donc c'est quasiment impossible. Donc j'hésite vraiment à mettre un truc ou pas quoi, parce que c'est pas nécessaire en fait. J'en mets quelques-unes, tac tac tac, un peu partout, et on est sûr que c'est solide. L'étape est terminée. En fait, finalement, au lieu de mettre des petits bouts, j'ai décidé de mettre plutôt des bois dans la longueur parce que c'était plus simple à visser. Voilà à quoi ressemble le module pour l'instant. Donc franchement, il est vraiment pas mal du tout. Hein. Il est vraiment de la gueule. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est juste prendre les mesures de ça, le couper, le visser et visser la grosse plaque. Et puis on sera vraiment pas mal. Hein. Bon, je viens de couper la plaque. Je vais juste tout poser vite fait juste pour voir à quoi ça ressemble. Oh, je suis ému. C'est d'une beauté sans précédent. Franchement, c'est quand même bien raide, donc c'est cool. On pourra dropper quand même et gagner un peu de vitesse. Il n'y aura plus qu'à mettre la corniche. Franchement, on est pas mal. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Regardez-moi ça. C'est juste insane en fait. Le seul truc c'est que ça va être droppable pour l'instant, mais on pourra pas le remonter parce que bah, forcément il y a un gros jour, il faudrait que je mette un truc en ferraille qui ferait la liaison. Mais voilà, c'est terminé. Je me rends compte qu'il y a probablement des vis qui sont vissées dans le vide. Donc on va retourner le module pour voir le nombre de vis que j'ai foutu à côté. Mais globalement, je suis en train de me rendre compte aussi que c'est vraiment raide et qu'à mon avis, on va quand même prendre beaucoup de vitesse avec. C'est pas si lourd que ça, ça va. Mais en tout cas, la structure globale se maintient. Ah oui. Vous allez voir le nombre de vis que j'ai foutu à côté, c'est relativement surprenant. Celle-là, elle est pas mal. Elle est vraiment loin du truc. Là, il y en a une ici. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Bon, il y en a pas mal qui sont à côté, qui sont dans le vide. Il y a celle-là aussi. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire un truc top qualitatif. Hein. Je répète, c'est de la récup. Et pour un truc à l'arrache, c'est vraiment pas mal. Donc je vais chercher le skate et on le drop. Voilà, je vous ai mis au bout pour qu'on puisse profiter un maximum du spectacle. On va dropper avec ce skate. Ouais, bah c'est beaucoup trop de vitesse pour le petit skatepark que c'est. Peut-être que si je le mets en diagonale, on va essayer de le mettre en diagonale. Quand le skatepark sera fini, qu'on aura un peu plus de place, je pense qu'on pourra faire des choses. Et même quand il y aura la corniche et qu'il y aura le petit marchepied, enfin je sais pas comment ça s'appelle, la transition entre le sol et le module, je pense qu'on pourrait faire des petits grinds dessus, des petits trucs, mais comme un vrai module en fait. Donc franchement, voilà, c'est quand même pas mal, je suis très content. Même si c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des modules dans ce grenier, je vois trop grand en fait. C'est-à-dire que je fais des modules beaucoup trop grands pour la petitesse de la pièce. Petit bonus pour toutes les personnes qui sont restées jusque-là. Dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo où je le customise, où je mets la corniche, etc. Et que je drop avec ça. Vous vous rappelez de ce skate? Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez que je tente de faire dessus. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète là-dessus, on mettra une corniche et on droppera avec ça. Ça va être formidable. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt dans le bateau. Salut. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus, je t'invite à télécharger mon guide de skate débutant que tu peux retrouver dans la description. Je te donne des conseils et te partage des astuces pour bien débuter le skate et améliorer tes sessions.